La petite Nakama, la vocation, ça fonctionne vraiment. On va voir cette petite réception de Naruto. Bonjour tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Vous avez vu, la vocation, elle fonctionne. J'ai réceptionné un big colis Naruto, 5 kilos de Naruto, si pas plus. Mais avant de commencer le unboxing, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo si vous voulez faire partie. Vous voulez devenir un shinobi, dis-moi si tu veux l'être. On commence tout de suite, la petite Nakama. Je l'ai ouvert parce que je voulais être sûr du contenu. Donc voilà, mais on va quand même découvrir ensemble. Il y a pas mal de choses déjà. Oh là 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 là. Un petit poster Naruto. Et donc là, je pense que c'est les posters par rapport voilà, à la display, à la série et les cartes qu'on peut avoir. Donc je pense pas que j'ai acheté cette display. Hein. Je pense pas du tout. Magnifique, regardez-moi cette petite CR du boss Madara. La MR de Minato et Kushina, ça c'est les cartes qui coûtent le plus. Hein. On a les SP, etc. Bref, on a des très belles séries. Ici, on a ma... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, du Marvel. Je connais pas. Du petit Marvel, ok, intéressant. Peut-être sympa, peut-être une petite découverte. The Three Kingdoms, je sais pas. Je connais pas. Dites-moi si vous connaissez. Il y a des belles illustrations. En tout cas, Caillou... Oh, magnifique, le big poster. Celle-ci, je pense que je l'ai. Celle-ci, je pense que je l'ai. Et on va voir ce qu'on pourra... Magnifique, le TGR, les NR. Vous avez vu, hein? Oh, c'est magnifique. C'est juste incroyable ce qu'on peut tirer. N'oublie pas, hein, le petit cadre. Le petit cadre qui fait plaisir. Donc ici, voilà. Hop là. Ah, okay. Il y a aussi autre chose que du Naruto, un petit peu de découverte, je pense. On fera des petites vidéos là-dessus. Je vais sortir tout ça. Histoire d'être sûr, comme ça on va voir un peu ce qu'il y a. Je pense qu'on a que ici, on a encore un autre truc qui n'est pas du Naruto. Ok, excellent, bah voilà, enfin, ça directement. Donc ici on a du Senseiya, magnifique. Il y a des très belles cartes, regardez. Hein. Pour ceux qui aiment bien Senseiya, on fera une petite vidéo découverte Senseiya prochainement, tranquillou. Ici, The Three Kingdoms, je ne connais pas du tout. Mais je... Ah, ok. Donc les posters sont liés. Ok, donc dans cette display, on peut avoir ce genre de pépite. Et apparemment, je pense que ça coûte très cher. Ça a l'air en tout cas. Fire, je sais pas. Est-ce que je pense que c'est un manga? Ce personnage me dit quelque chose. Et puis ici, on a du Marvel. Ok, intéressant. Plutôt stylé. Mais nous, ce qui nous intéresse, tout est dedans. Voilà, mes petits Nakama, magnifique. Petit display 5 Yuan. Ça, je pense que c'est une série 4, si je dis pas de bêtises. Magnifique petite pépite. On en a encore une autre. Ici, encore une autre petite ouverture. Donc, on a deux displays 5 Yuan. Je vous réponds comme d'habitude. Je vous montre. Si vous voulez le contact, n'hésitez pas à me MP sur Instagram pour que je puisse vous donner le contact. Magnifique. Magnifique petite display. Magnifique. Donc, on a deux 5 Yuan. Et je vous l'ai dit ici. Ben voilà. Donc, on va continuer directement ici avec les 10 Yuan. Magnifique, 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 magnifique. On a une deuxième aussi. Donc voilà tout ce que j'ai réceptionné en. Mais ça, c'est quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est quoi? On va découvrir ça tout de suite ensemble. Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, je vous disais, donc ici, donc je ferai une ouverture Naruto 5 Yuan sur YouTube et une 10 Yuan sur YouTube. Et on va. Donc je vous montre ça, vous verrez un petit peu nos prochaines ouvertures sur YouTube. Et le reste, je vous donne rendez-vous sur TikTok cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Je suis désolé, mais je ferai une story Instagram pour que je puisse vous montrer un petit live tranquille pour qu'on puisse discuter, etc. Et on fera ça ensemble. Ça va être fantastique de faire un petit live TikTok. Ça fait longtemps, j'en ai fait que un et on a eu des bangers. Et franchement, non, ça fait plaisir. Il y a une belle communauté sur TikTok de Naruto. Et donc, c'est tout bonnement logique. Voilà, donc voilà ici hein, les petites petits displays et ici un banger, des bangers que je pense que vous n'avez jamais vu en ouverture peut-être. Une magnifique collector Naruto qui est juste exceptionnel. Là, Nakama, c'est une autre gamme. Hein. Là, je pense qu'on est dans les 50 euros plus ou moins approximativement. Là, on était dans les 30 euros, une vingtaine d'euros, trentaine d'euros. Mais là, Nakama, ça, c'est une pépite. Je vous le dis, ça, c'est une big pépite de fou. Hein. Regardez-moi ça.
Voilà, on fera l'ouverture sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ce sera complètement fou. Naruto Uzumaki. Regardez-moi ce coffret collector magnifique, il pèse une tonne. Je vous le dis, on a réceptionné là beaucoup de Naruto. Donc ici, le petit Sasuke, le petit Naruto, le Naruto en mode Hokage. Donc là, il y a du lourd, il y a beaucoup de belles choses. Et on fera la découverte ensemble sur YouTube. Donc ici, on va continuer, on va voir ce que c'est ça, je sais pas, c'est quoi ça. Nous revoilà un petit Nakama, on va regarder un petit peu, mais je voulais juste encore vous montrer cette beauté, qu'on va voir ça ensemble sur YouTube. Je vais l'ouvrir pour cette semaine, j'ai pas trop le time, mais franchement, regardez-moi ça. Ça, c'est un coffret de fou, ça c'est une ultra premium Naruto qui est juste exceptionnel, magnifique. Vous allez voir, il y a du lourd dedans. Donc on a pas mal de choses à ouvrir sur YouTube et sur TikTok. Donc, je vous donne rendez-vous, vous allez voir. Et ici, là, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder un petit peu ensemble. Oh la petite dinguerie, mes petits Nakama. Une petite Minato SP gradée 9.5. Magnifique pépite. Ah oui, ok. Incroyable, la petite SP de Itachi. Comme par hasard, j'ai reçu deux cartes gradées. En fait, je vous explique. En fait, vous achetez deux displays, je pense que c'était minimum 5 yuan. Elle est en dessous, je pense pas. Donc, si vous achetez deux displays de 5, 10 yuan, etc., vous avez droit à une carte gradée. Bon, voilà, 2. Donc, vous avez droit à une carte gradée. C'est juste fou. Il offre des cartes gradées. Regardez-moi ça, c'est pépite. Magnifique. 2 SP. Et encore, hein, c'est des belles cartes. Mais je pense qu'on aurait pu avoir du style une BP ou quoi. Il avait mis ça là-dedans, je me souviens maintenant. C'est juste fou et généreux. Je vous l'ai dit. Bon, bien sûr, le cadre en bas, il me faut une lumière bleue, noire, je ne sais plus comment on dit, pour que je vous montre. C'est magnifique. On fera... Donc, comme je vous disais, ils donnent des cartes gradées quand on fait des achats. Il y a des enchères sur le groupe WhatsApp. Il y a des ventes entre nous, etc. Donc, c'est tout simplement stylé. Donc, je sais que j'ai déjà ramené plus d'une dizaine de personnes et qui sont très contents, qui ont passé commande. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, MP-moi sur Instagram et je vous donne le contact. Et donc voilà, ils donnent des cartes gradées, etc. quand on fait des achats. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. C'est de temps en temps. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des petites cartes gradées. Magnifique, je voulais remonter bien le petit Itachi. Comme par hasard, je devais tomber sur un Itachi. Il y a un peu cette pépite comme ça. J'ai juste hâte de l'ouvrir. Ah, et aussi, faites attention. Parce qu'il y a des cartes en loose qui sont copies des fake cartes. Je viens de voir l'information. Je vous mettrai la vidéo du frérot Mike. J'étais en description pour que vous puissiez voir un petit peu, mais ne soyez pas tenté par le feu. Autant mieux acheter des displays et ouvrir que d'acheter les cartes à l'unité, parce qu'il y a des fausses qui circulent en ce moment. Ça se peut que le vendeur soit malhonnête ou même honnête, mais il ne le sait pas parce que c'est tout récent, c'est tout lourd. Donc faites attention. Si vous voulez le contact, n'hésitez pas. On se voit à s'ouvrir du Naruto très prochainement. En tout cas, c'est juste exceptionnel. On se laisse sur ces très belles images de Naruto. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si vous voulez venir vous entraîner dans ma nouvelle école de Shinobi. Allez, prenez soin de vous. Ciao.